maintenant cette lampe Mario que j'ai acheté à Futura, donc elle s'allume évidemment, sinon c'est pas... Voilà, donc c'est... Pour ceux qui connaissent Mario Bros 3, moi j'ai un peu connu ce jeu, clairement j'ai connu Mario Bros 3, Mario World et Mario Bros 2. Ah, moi j'ai connu, il était même pas encore né alors. Mon frère avait les consoles, donc du coup voilà. Mon cousin aussi, donc ça change rien. Donc du coup, ça c'est énorme. Bon, je reviens à Mario, qui a le costume de Tanuki, hein, vous connaissez. Donc le chat. Non, c'est Tanuki. Tanuki, avec la tête, on pense que ce jeu, la tête permet de voler. Ouais, et dans les autres, il permet de taper. Oui, il permet aussi de taper. Si vous avez joué à votre 3D Land, vous voyez qu'il permet de taper. Donc, cette lampe-là, je l'ai eue pendant les vacances, au mois de juillet. Et il a acheté 15€. 15€, voilà, à Cultura. Non, je vais à Cultura. J'ai trouvé ça là, je me suis dit, bah, tiens, je l'ai vu, je me suis dit, tiens, pourquoi l'acheter? Ça pourrait être plein de vidéos. Au passage, je veux savoir ce que pense un peu Jérémy. Quoi? Bah, c'est de la merde, c'est de la chatte. C'est une lampe comme les autres, et puis pour la décoration, c'est très bien. Et là, je vais la mettre dans ma chambre d'Emine quand je serai chez moi avec Laurie. Ouais. Au passage, bon, tu vois. Bon, après, c'est pour ceux qui aiment bien Mario, évidemment. Bah, nous, on est obligé d'acheter une lampe comme ça. Voilà, mais ceux qui aiment bien Mario, vous pouvez acheter ça, il n'y a pas de soucis. Moi, je vous le dis, achetez-la. Donc si vous voulez l'acheter pour ceux qui êtes sur 3. Alors vous voyez en dessous là il y a un petit socle ici, donc ça permet de le poser. Regardez, je le mets là et voilà. Voilà, merci, donc portez bien et bientôt.